Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour ce 14e épisode de mon Let's Play sur le jeu Age of Mythology Extended Edition. On est toujours sur l'acte 1, ça commence à faire pas mal de vidéos, mais je pense qu'on arrive à la fin, même si je dis aussi ça à chaque fois au début d'épisode. Mais enfin tant pis, allez, on y va, c'est parti. La forteresse du chacal. Bon, avec un titre pareil, j'ai envie de dire, on devrait quand même commencer à s'approcher de la fin. C'est ici ? Oui, la forteresse de Khemsit. La relique s'y trouve. Les hommes sont prêts ? Oui, Amanra. Bien. Si Khemsit se trouve là, laissez-le moi. Ok. Les fermiers en ont sûrement assez de leurs voisins sinaires. Peut-être nous aideront-ils. D'accord. Allons-y. Donc là, il y a un rhinocéros. Oui, on est dans l'Afrique profonde alors. Qu'en Égypte. Allez, on va lui pourrir la figure. À ses copains aussi. Donc on a une éclipse, on a la prospérité, on a ancêtre. Ok. Là, j'ai envie de dire, on va du coup récupérer le village, je pense. Ah, la forteresse. Écoutez-moi, je suis Amanra, l'ennemi de Khemsit. Aidez-nous et nous veillerons à ce qu'il ne vous pille plus. Nous irons avec vous porter une bonne nouvelle aux fermiers des plaines fertiles. Nice, nice. Donc, faudra aller récupérer la relique, évidemment. Donc, bah c'est parti. C'est parti, la compagnie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Commençons par ça. Toc. Non, j'ai oublié de faire un groupe. Hop, on va explorer un petit peu les environs pendant que ça produit des petites unités. D'accord, donc en fait il suffit de s'approcher des bâtiments pour les récupérer. Là on a un buffle d'eau. Alors là, on va bientôt avoir assez. Oh, un éléphant. Là il y a de quoi récolter du bois, pas mal de bois d'ailleurs. Il y a même possiblement une petite relique au bout. Ouais! C'est pas mal ça. Oh, et puis un temple en plus qu'on peut récupérer, sur lequel on va pouvoir poser la relique s'il veut bien. Alors pourquoi je peux récolter du bois? Alors attendez. Encore un là. Hop, ça va m'en faire 10. Qu'est-ce que tu foutais ici toi? Alors, il n'y a pas des trucs de récolte de bois qui traînent? Non, ça n'a pas l'air. Donc quand bûcheron par ici. Merde, pas du tout. Qu'est-ce que tu fous? Un nouveau pharaon est apparu pour diriger votre peuple. Tu as posé la relique, ok. Comment ça se fait qu'un nouveau pharaon? Cette Knacté. D'accord. Nous avons donc un pharaon en plus. Donc deux peuples, vous allez récolter du bois. D'accord. Je vais continuer à faire un peu de population. Là, il faut qu'on fasse gaffe parce que je suis sûr que ça va nous retomber sur le... Ça va nous retomber sur le coin du nez, cette histoire. Je suis sûr qu'ils vont nous attaquer dans pas longtemps. On va quand même continuer à explorer un petit peu. Ah, un nouvel emplacement de forum. Donc, on aura un peu d'espace de dispo au cas où. Ah, ça continue par là. On voit bien que c'est irrigué à la Nil. Donc... petit système intelligent de d'irrigation. Putain, mais il y a tellement de trucs partout. Alors, vous allez récolter du bois, vous êtes gentil. Toc. Alors là, il y a encore du monde. J'ai envie de dire, s'il faut qu'on protège tout ce bousin, ça va être compliqué. Donc là, il y a une relique. La bonne relique. Faut que je mette la récolte d'or aussi. Hein. Sinon, on va prendre trop de retard. On va prendre trop de retard. Alors. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Encore un. Donc, il y a une grande mine d'or ici. Donc, on aura. Ah ouais, on aura clairement de l'or de Rab. Là, il y a des petits forums. Ah, il y a la récolte de bois.
on a besoin de maximum de population. Alors, qui améliore l'attaque des unités Laval mythique. D'accord. Comment récupérer pas mal de petites reliques. Donc, après une exploration un petit peu de partout, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, j'ai un peu peur que je me fasse attaquer très vite. Faudra que je fasse des unités de guerre, sinon on n'arrivera pas à se protéger. Enfin, on va finir d'explorer par ici. Donc là, il y a de l'or. Donc, du coup, je vais en profiter. Hop. Toi, tu vas me faire une caserne par ici, ça va bien. Hop. Donc là, il y a de l'or. Des créatures. Un babouin. Plein de buffles d'eau partout. Non. Non, le pauvre hippopotame. Touchez pas aux hippos. C'est un peu moche. Mais voilà. C'était mon argumentaire. C'est un peu moche, mais voilà. Continue de faire des péons. Je suppose qu'on peut pas passer ces canaux, évidemment. Ils sont trop grands. Là, je suis sûr qu'il y a quelque chose ici. Oula, on va essayer plutôt là, on est plus proche là. Ok, donc toi tu peux pourrais me faire des unités. Il faut que j'installe une statue de prière, ça sera bien. J'en ai envoyé deux au bois, je vais récolter. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça. Les chats sacrés pour récolter plus de nourriture. Toujours plus de nourriture, encore plus de nourriture. Et je dis beaucoup deux fois le mot nourriture. Hop, un de l'or. La récolter un petit peu plus d'or. Parce qu'on est déjà à l'âge 3. Hein. On est déjà à l'âge 3. Alors, toi, tu m'as fait ceci. Je pense que tu peux en caler une à côté. Putain, mais il sort d'où ? J'ai envie de dire, défendez-vous. Ok. On a perdu une unité. Ils sortent d'où? Je sens ce que je vais faire. Ça va être rapidos. Un ch'timur. Voilà. Donc là, il y avait un camp. Au cas où, je vais faire un mur. Ensuite, on va un peu galérer parce que c'est une île en face. Je viens de me rendre compte que c'est quand même une île. Et les îles, c'est jamais très sympathique. J'aurais bien aimé voir ce qu'il y a au bout là-bas. Au bout là-là. Alors, toi, t'as fait deux reliques, deux trucs. Tu vas me faire ça parce qu'on va en avoir besoin. Vous allez me récolter de l'or. Et eau. Ouais, on va attendre encore un peu. J'aurai besoin d'encore un peu de pop. Ok, donc je pense que je vais faire une coupure ici. Je vais faire une petite armée. Je vais lever des améliorations comme d'habitude. Et puis je retrouve dès que j'ai fini tout ça, tout simplement. Bon, j'ai arrêté de déconner, c'est parti. J'ai largement de quoi faire, je suis passé à l'âge mythique, machin. J'ai une grosse armée que vous voyez là. J'ai des unités de siège, j'ai tout amélioré, tout est au max. On va attaquer, en fait on va attaquer par ici. J'ai fait le tour de l'île rapidement, on va attaquer par ici. Parce que là c'est... bon, ça va être un petit peu casse-pied de passer par là. Mais j'ai la météorite, j'ai suffisamment de quoi passer. Ça devrait être tranquille. Alors vous êtes trop... Ensuite... Alors, j'ai fait beaucoup trop de... Putain, en fait, j'avais clairement pas besoin d'autant de... De bateaux. Alors... Voilà. Ensuite, on va balader eux. Voilà. Donc vraiment, vraiment, j'ai énormément de disponibilité. Je suis... vraiment peinard à ce niveau-là. Bon, hop, en plus j'ai énormément de matériaux. Je vais tout simplement refaire au cas où quelques unités. Voilà, de même que des unités mythiques, une ou deux. Voilà, tranquillou. Maintenant que tout est prêt, bah, on va attaquer gentiment. Je vais peut-être. Ouais.
Je vais faire deux bateaux. Alors, je sais qu'il y a pas, il devrait pas y avoir trop de problèmes pour aller jusque là-bas. Je crois qu'il y a une tortue qui se trimballe quelque part, mais ça devrait aller. On devrait pas avoir trop de sushis. Si on se colle à notre... J'ai eu peur. D'accord. Si on se colle à notre côte, il devrait pas y avoir de problème. J'ai croisé quelques bateaux au milieu, mais c'était tout. Donc si on se balade par ici, normalement on devrait pas tomber sur de mauvaises surprises. Alors ce que je sais, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a... Oula. Ouais, en fait, il y a une mauvaise surprise là-bas. Ouais. On va gentiment aller essayer de contourner nos côtes pour foncer vers la plage dès qu'on peut. Et une fois qu'on sera sur la plage, on va pouvoir installer tout un tout notre système et attaquer directos derrière. Ça devrait bien se passer, normalement. Je dis bien normalement. Je vais continuer de faire des unités, je pense que ça peut être pas mal. What? Ou alors je fonce. On fonce. Tant pis. C'est pas ultra prévu tout ça, mais c'est pas grave. Into you. Gehrig. Ouais, faut vite. Gehrig. Gehrig. Oh la vache, on décale. Laissez-moi passer les Léviathans, c'est bon. Oh là là. Bon bah voilà, les navires ont été défoncés, il faut qu'on avance. Alors vous m'expliquez pourquoi... Putain. Voilà. Alors, on recule, on recule, on recule. On attaque là, tant pis. Arrêtez d'avancer. Arrêtez d'avancer, putain de bordel de merde. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Pourquoi ils avancent toujours sous le feu ennemi? Calmez-vous. Alors, aidez mes... Voilà. La tour de siège va attaquer là-bas. Enfin, les unités de mécanique vont attaquer là-bas. Nous, on approche par là. Où te caches-tu, Kemsit ? Alors... Aïe. Reculé. Alors par contre, les tours qui ont tendance à avancer alors que je leur dis de reculer, ça m'énerve beaucoup. J'ai tellement envie d'envoyer un missile, mais je pense que c'est un peu... C'est un peu overkill. Bon, ça a l'air de bien passer. Ouais, là je vais peut-être envoyer le... Météor. Faut juste qu'on puisse avancer un petit peu. Ouais, météor là. En espérant que ça tue pas toute ma troupe. Bon, ça avait pas l'air de leur faire des dégâts. Elle est où ma nana? Va directos là-bas. Voilà l'urne d'Osiris. Eh bien, où est mon ennemi? Ah, mais c'était tout! Bon. Finalement, c'était pas si compliqué. Ou alors, je me suis peut-être un petit peu trop énervé pour rien. Parce que j'ai quand même passé un peu plus d'une demi-heure de mon côté. Il y a quelque chose que je veux te donner depuis le jour où tu m'as échappé au temple, Kemsit. Je ne rêve que de te vider de ton sang, Amanra, mais je n'ai pas de temps à perdre avec toi pour le moment.
Yolo. Ton heure viendra, Amanra. Adieu. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi dans cette histoire, chaque fois qu'il y a un méchant, il se barre en vie. On est quand même, c'était quand même la 17e mission. Il faudrait qu'il se passe quelque chose. Enfin bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il est peut-être un peu plus court que d'habitude parce que j'ai pas mal fait des trucs dans mon coin. Sauf que j'ai plus de place sur mon disque dur pour pouvoir enregistrer la suite. Du coup voilà, j'espère qu'on va arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'on avait pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis à dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.